Joyeux Noël à tous! Voici la vidéo qui sortira le 25 décembre. Il s'agit d'un coffret Groudon. Alors, je l'ai acheté il y a quelques temps, il y a 10 jours, 2 semaines, je pense. Et voilà, j'ai dû attendre qu'on se rapproche de Noël pour pouvoir faire l'ouverture et que je puisse vous partager ça sur la chaîne. Donc, j'avais très hâte d'ouvrir le coffret, étant donné que j'ai déjà la carte Jumbo de Kyogre avec la carte promo aussi depuis un petit moment. Et c'est vrai que j'attendais avec impatience de pouvoir compléter ces deux cartes promo là. Et donc, bon, c'est un coffret qui date d'un petit moment. On va faire le tour. Bon, la caméra n'est pas assez grande pour montrer la carte Jumbo, mais vous inquiétez pas, on va la découvrir ensemble tout de suite. Donc, coffret Groudon contient une carte promotionnelle brillante de Groudon, trois boosters du jeu de cartes à collectionner Pokémon et une carte brillante grand format ou Jumbo de Groudon. Alors, qu'est-ce qu'on a au verso? Faites monter la température avec Groudon. Ok. Donc, on a dit 3 boosters, mais ce sont quels boosters? Ce sont 2 boosters origine antique et 1 booster étincelle. Bon, étincelle est une série qui commence à dater. Mais bon, c'est toujours pas mal d'ouvrir du étincelle. Étant donné en plus que je n'ai pas complété la collection, ça fait toujours plaisir. Un petit Dracaufeu full art et le bienvenu. Bon, je pense que du coup on a fait le tour, coffret Groudon ici, coffret Groudon aussi là, bon bah vous voyez la carte Jumbo qu'on va déceler maintenant, coffret Groudon ici et pareil là, ok bon, et bah on y va, on y va, on y va. Je crois que le plus simple c'est de l'ouvrir comme ça en enlevant le plastique, hop 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 hop. Alors j'espère que ça vous fait plaisir, la petite miniature avec le bonnet de Noël. Je fais aussi la vidéo avec le bonnet du coup. Oh les gens, je disais que le bonnet nous avait été donné au travail pour les fêtes de fin d'année. Je ne sais plus si j'ai déjà dit en vidéo, mais je travaille à Decathlon en tant que hôte d'accueil. Et donc voilà, forcément, étant au contact des clients, c'est toujours sympathique dans les fêtes de fin d'année de pouvoir accueillir les clients avec un petit bonnet, un sourire. C'est vraiment la marque de fabrique de Decathlon. Bref, on n'est pas là pour parler de Decathlon, mais pour ouvrir du Pokémon. Ah, qu'est-ce qui bloque? Petit souci. Ok. Hop, le carton va là-bas. Voilà. Voilà la carte promo. Groudon, il s'agit de la XY52, on le voit ici. Donc comme je vous l'ai dit, je ne l'avais pas, elle est très très belle, même si je préfère le Kyogre, mais elle est vraiment très sympa, très bien très bien, éclatroc destructeur. Ok, je la pose juste ici, on la verra après. On enchaîne avec la carte Jumbo. Waouh, ça fait plaisir de... Bon, c'est exactement la même carte hein. Voilà, elle doit faire à peu près, si je me souviens bien, 6 fois une carte normale. Vous voyez bien avec les deux cartes, voilà, il s'agit d'une vraie carte Pokémon avec le Pokémon derrière. Ça fait plaisir d'en ouvrir une, c'est la première que j'ouvre. C'est la deuxième que je reçois, mais c'est la première que j'ouvre. Ça fait très très plaisir, elle est très belle, bah, autant que la carte promo. Je la mets juste à côté, on les regardera encore à la fin. Et voici les 3 boosters. Alors... Étant donné que j'ai pas eu beaucoup de chance avec les duo packs Mewtwo, on va essayer de prendre notre revanche sur les origines antiques. C'est parti pour le premier. Allez, une petite full art. Ça fera très plaisir. Hop là. Code promo, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un j'aime. Enfin, un j'aime ou un pouce bleu, c'est pareil. Un commentaire, à partager la vidéo si vous l'appréciez, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir, plus que les pouces rouges, croyez-moi. Alors, on commence avec un petit Gringolem. C'est Piatros. Vous allez commencer à connaître la série comme moi par cœur. Encore une fois, j'ai déjà toutes les cartes de la série. Balbuto, Porygon,
Evoli, le rouleau à peinture en carte dresseur, Ortide, top dresseur, on va se rapprocher un petit peu. Lien spirituel Pharamp en carte reverse. Ok. Entei en rare. Il me semble qu'on l'avait aussi eu pour les duopacks. Bon. Très bien. Le deuxième booster, origine antique avec Primo Groudon. Justement, Groudon. Hop, vous voyez, c'est le même Pokémon. Hop là. C'est le même Pokémon ici. Voilà, dans sa forme Primo. Primo. Tout simplement. Voilà. C'est la forme antérieure. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini Ruby Omega, Saphir Alpha, donc je pourrais pas vous dire exactement. Je sais que c'est une nouvelle forme qui a été introduite avec ces nouveaux jeux, mais je ne l'ai pas encore constaté de mes yeux. En tout cas, elle est très très belle. On dirait vraiment une forme shiny en fait, tout simplement. Ok, on perd pas plus de temps. On ouvre ce booster. J'espère qu'il sera mieux fourni. Allez. Boum. Code promo. 1, 2, 3. J'espère que vous passez aussi de bonnes fêtes. Que vous êtes parti voir la famille. Ou que, en tout cas, que vous n'êtes pas seul et que vous allez ouvrir plein de cadeaux. C'est toujours appréciable en fin d'année. Allez, on commence avec un petit Golmastock. Marest. Doudou V. Balbuto, Zarbi, lien spirituel Junko, Motisma, l'énergie d'Angers. Déjà la reverse, on a Jolie Flore, très belle, et Viridium holographique. Bon, c'est mieux que rien. Ok, Viridium holographique. Bon, je ne vais pas me plaindre. C'est déjà très très bien de pouvoir ouvrir ce coffret. Et c'est toujours mieux qu'une rare, une holographique, je vous la remontre, hein. Elle brille bien ici, donc l'illustration brille, pas le reste de la carte, mais c'est plus rare qu'une rare que le NT qu'on a vu juste avant. Donc, je ne me plains pas. Allez, petit booster Nemelios de la série XY2 étincelle, hein. Je vous rappelle que la série origine antique est le XY7, là on a du XY2, donc quand je vous disais que ça date... Ça date, je crois que ça date de 2014, hein. C'est pas la même année. Hein. On va regarder ça, hop, c'est ici. Ouais, 2014, je sais pas si vous voyez. Ouais, 2014, ok, bon. Je vous montre la première carte, en somme, c'est pas très grave, ça me permet de faire tranquillement ma manipulation pour, je rappelle, mettre la carte reverse. Il s'agit de celle-là. Hop, il s'agit de celle-là qui a le texte de la carte et les attaques du Pokémon en brillante, mais pas l'illustration et la carte rare ou ultra rare. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui à la fin. Ça permet de se mettre un peu plus de suspense. C'est toujours appréciable quand on fait des ouvertures comme ça sur YouTube. Voilà, de pas commencer avec la carte rare parce que croyez-moi, après les cartes d'après, on s'en fiche un peu. On commence avec un petit Barpo. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert cette série. Fouinette, bah... C'était tout simplement la première vidéo de la chaîne. Je vous laisse aller la regarder. J'ouvre, je crois, 12 boosters de la série Étincelle. Je vous laisse vérifier si j'ai quelque chose d'intéressant. Ok, Skelenox, après le Fouinette. Roselia. Mucuscule. Le Cube Protecteur. Floette. Luxio. Roselia à nouveau, mais en carte reverse. Donc on a eu... deux fois Roselia dans ce booster et deux fois Roselia en carte reverse. Et pour la dernière, il s'agit-il d'une ultra rare? Non, Fouinard, pardon, en carte rare, en simple carte rare. Ok, bon, toujours pas. Bon, je dois vous dire que c'était le dernier coffret dans le rayon, donc j'avais pas vraiment le choix de pouvoir prendre un autre. Je voulais vraiment ces cartes promo avant qu'elles disparaissent du marché. Ça faisait longtemps que dans mon magasin habituel, elles n'y étaient plus. Donc c'est vrai que je suis tout quand même content d'avoir les cartes, ces deux cartes-là. Donc la carte promo qu'on a vue là et la carte Jumbo. C'est juste génial. Ok, bon bah ça sera tout pour aujourd'hui.
N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, ça fait très plaisir. En tout cas, ça me fait très plaisir. Je commence sur YouTube, donc il n'y a rien de plus encourageant que un petit mot d'encouragement en commentaire ou un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bonnes vacances. Salut!